Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom, aujourd'hui en compagnie de Claude Rocher. Bonjour monsieur. Bonjour. Claude Rocher, vous êtes haut fonctionnaire, économiste du développement et professeur honoraire des universités. Vous signez ce petit livret publié par l'ICEP, « La France des villes moyennes, une stratégie d'avenir pour les territoires ». Alors Claude Rocher, vous commencez ce petit ouvrage en critiquant vertement la stratégie des métropoles. Elle est pour vous porteuse d'effets pervers, d'inégalités, de nuisances. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Bien, parce que cette stratégie des métropoles, qui n'est pas d'origine française d'ailleurs, qui est une stratégie mondiale, puisque les premières, ça a été les Global Cities, c'était New York, Londres et Tokyo. Hein. Mais alors maintenant, tout le monde veut faire, veut imiter, parce que c'est l'idéologie du Big is Beautiful. Plus c'est gros, mieux c'est. Ça repose sur un certain nombre de présupposés, des hypothèses, hein, du point de vue scientifique, qui est que la richesse, la capacité d'innovation, les richesses intellectuelles, tout ça, vont se concentrer dans les villes, dans les grandes villes. Bon. On voit, on retrouve une loi générale qui est que ces grandes agglomérations obéissent à la loi des rendements décroissants, hein, c'est-à-dire qu'on va croître jusqu'à un certain niveau, disons que la productivité va croître jusqu'à un certain niveau et elle va commencer à décroître. C'est exactement, pour prendre une analogie simple, les tours. Hein, les tours, c'est intéressant d'avoir plusieurs bureaux dans la même tour, mais quand vous faites que 100 ou 250 étages, le coût de gestion de la tour devient absolument extraordinaire. Et surtout, les gens ne se connaissent pas dans la tour. Ce sont des empilements de gens sans relation avec les autres. Donc, l'impact de cette logique du Big is Beautiful sur la productivité devient rapidement négatif. Alors, qu'est-ce qui se produit si on mesure ? Alors, je me réfère effectivement aux travaux d'un économiste, Olivier Bouba-Olga, et Michel Grossetti, qui est sociologue, qui ont remarqué que toutes ces hypothèses sont fausses. Elles reposent sur une métrique qui est la valeur ajoutée par habitant, mais celle-ci va également décroître, plutôt le PIB par habitant, et il montre que c'est un mauvais indicateur parce qu'il va décroître, il va finir par décroître. Et où se crée la valeur ajoutée ? Prenons quelques exemples comme Guyancourt, qui est le technocentre de Renault, qui concentre effectivement de très grandes capacité de valeur ajoutée, mais c'est à Guyancourt, c'est pas la Défense. À la Défense, on trouve des sièges sociaux, c'est pas des capacités d'innovation, c'est pas des cerveaux, c'est des centres d'impulsion bureaucratique, hein, en tout honneur. Hein. Et donc, cette valeur ajoutée du technocentre de Renault, elle va se déployer sur des territoires. Les usines ne sont pas dans les métropoles, elles restent dans les territoires. Alors, justement, Claude Rocher, on a en France un projet de métropole qui avait été lancé en 2009 par le président Nicolas Sarkozy. C'est le Grand Paris. Où ça en est aujourd'hui ? Alors, le Grand Paris, ça supposait de pouvoir répondre à deux questions. Est-ce que c'est une structure centrale avec une relation de suggestion des communes périphériques envers Paris ? Ou alors, est-ce que c'est une constellation de villes moyennes ? Donc, option fédérale ou option confédérale ? Bien, les élus ne se sont jamais mis d'accord là-dessus. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un discours, il reste les infrastructures, parce que ça, personne ne sera contre les infrastructures du Grand Paris et sortir de ce réseau de transport totalement centré sur Paris. Surtout avec ce qui est devenu Paris, qui est une ville quasiment infréquentable. Donc là, tout le monde se met d'accord. Mais pour le reste, il va s'agir de enfin, le club du Grand Paris, ce qu'il en reste, c'est un club de grands penseurs. Ils reprennent les théories de Richard Florida aux États-Unis sur les classes créatives. Ce qui compte, en gros, les classes créatives, ça veut dire que
Ce sont des analyses qui sont totalement fausses, bien évidemment, mais très, très teintées d'idéologie. Il y a 30% de la population qui crée 70% de la valeur ajoutée. Donc, ce qui veut dire, à l'envers, comme l'a bien expliqué l'économiste Pierre-Noël Giraud, que les 70% restants, qui créent péniblement 30% de la valeur ajoutée, sont ce qu'il appelle des inutiles. Des inutiles, ou Laurent Alexandre, qui est le grand gourou du transhumanisme, va appeler ça des substituables. C'est les gilets jaunes. Donc c'est le surplus. Le surplus dont on ne sait pas trop ce qu'on va faire. C'est un des facteurs explicatifs de l'attrait qu'il y a pour le salaire universel ou l'allocation universelle, parce que tous ces gens, il va bien falloir les entretenir et les considérer comme un coût et pas comme une ressource. Alors, Claude Rocher, vous évoquiez à l'instant les classes créatives de Richard Florida. La recette tient dans la règle des 3 T. Vous nous expliquez, c'est talent, technologie, tolérance. C'est la tolérance des homosexuels qui serait signe de créativité. C'est quoi cette histoire ? Alors, ça, c'est le côté un petit peu comique qu'il y a de chez Richard Florida. Alors, c'est vrai que plus une ville s'oriente vers les activités artistiques, les activités de haute technologie, plus on va voir évoluer les mœurs et plus on va voir d'homosexuels. Bon, moi, j'ai aucune critique, hein, c'est une réalité, c'est pas un jugement de valeur. Mais seulement, le problème de Richard Florida, c'est qu'il inverse la corrélation et la causalité. Il va dire, dans une ville moderne, ça veut dire c'est les villes de la côte ouest des États-Unis. C'est Seattle, voilà. Bon, là, vous avez effectivement les quartiers homo, enfin Los Angeles, etc. Bon, lui, il renverse la relation causalité et conséquence. Il dit, voilà, puisque je vais attirer les homosexuels, ça va créer de l'innovation. Ben, ça ne crée rien du tout, parce que, au contraire, cette politique des 3T, à Seattle, ça a augmenté les inégalités spatiales. Ceux qui habitent au centre, ce sont les gens qui ont les hauts salaires de chez Microsoft, par exemple, et les autres, ils sont refoulés à la périphérie. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les grandes métropoles, comme vous dites, en Ile-de-France, les riches sont les plus riches, les pauvres, les plus pauvres, toujours, enfin, c'est un phénomène d'accélération dans un sens et dans un autre. Enfin, les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Il y a une polémique autour des travaux de Christophe Guilly, puisque Christophe Guilly met l'accent surtout sur les inégalités entre les métropoles et les périphéries. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une autre inégalité, c'est les inégalités au sein des métropoles. C'est au sein de la région parisienne que les inégalités sont les plus fortes entre le centre et la périphérie. Donc il y a un double système d'inégalités. Alors, vous évoquez aussi dans votre ouvrage, Claude Rocher, la densité de population. Vous nous expliquez qu'elle n'est pas à l'origine de la création de richesses. C'est quoi la taille optimale d'une ville ? Alors, la taille optimale, c'est un vieux sujet de recherche qu'on est capable aujourd'hui de creuser parce qu'on a des outils de modélisation numérique. C'était notamment très bien modélisé au Santa Fe Institute aux États-Unis. Et ça avait également été modélisé de manière plus empirique en France, à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est autour de 600 000 habitants. Parce que qu'est-ce qui fait la créativité? C'est les interactions entre les gens. Hein. Donc, si vous êtes là, moi je vis là en ce moment dans un petit village où nous sommes 2 habitants. Bon, mais bien sûr, le nombre d'interactions est limité. Bon, et donc, si on n'avait pas Internet, ma capacité de créative resterait liée à ma culture, à la culture de mes pommes de terre. Donc, si on peut rencontrer des gens, bien sûr, c'est ça qui, depuis toujours, c'est la raison d'être de la ville. Ça crée des interconnexions entre les gens. Mais quand vous êtes tassé dans un métro, entassé comme dans des sardines où tout le monde, pour échapper au bruit, se met des écouteurs sur les oreilles, vous ne pouvez pas dire que ça favorise la créativité. Donc, et plus la ville va croître, plus on voit que ceux qui croient, c'est la pollution, parce que tout ça crée énormément de pollution, notamment liée au transport, au transport domicile, lieu de travail, la pollution tout court, la perte de créativité, et on va
Ben, en gros, on ne va plus pouvoir se voir. Enfin, j'en fais l'expérience très très concrète, puisque depuis le confinement, je me suis réfugié dans mon petit village de Haute-Savoie, et je vois que j'ai beaucoup plus d'interactions sociales dans un rayon de 30 km qu'en région parisienne. En région parisienne, vous allez voir quelqu'un, vous avez 1 heure de voiture minimum, 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir, et vous êtes crevé. Donc, qu'est-ce qui vous reste à faire? C'est vous abrutir devant TF1 ou BFM TV, c'est encore pire. Donc, vous avez un phénomène de décroissant. Hein. Donc, ça, Alors, y a cet optimum, ça a été modélisé de manière très intéressante par Louise Bettencourt et un autre, Geoffrey West, un autre chercheur anglais, qui a montré qu'au-delà, oui, il n'y a pas que la pollution, il y a la prostitution, la criminalité, la drogue, tout ça croît. Donc, en économie, on va dire que les externalités négatives deviennent supérieures aux externalités positives, c'est-à-dire les effets dérivés. À l'opposé de cette stratégie des métropoles dont vous dites qu'elle est une idéologie qui s'oppose à tout examen critique, il y a ce que propose un urbaniste danois, Jan Gehl, qui a tiré plusieurs principes d'architecture urbaine de son expérience. Alors voilà, ne pas concevoir la ville pour la voiture, ça, Madame Hidalgo, visiblement, a peut-être s'est inspiré de ce monsieur. Elle détruit, Ouais. mesdames, elle réalise le rêve qu'on n'a pas pu accomplir von Scholtz, hein, de détruire Paris. Alors, il propose aussi des transports équitables. La vie publique doit être aussi la base de la cité. Comment est-ce que vous jugez les travaux de ce Jan Gehl? Alors, Jan Gehl, il part d'un principe que ce n'est pas des mesures coercitives de destruction de ce qui existe qui va créer de la valeur. Donc, c'est le contraire de la ligne Hidalgo. C'est l'architecture des systèmes de vie. Il faut raisonner en système de vie. Si vous êtes déjà allé à Copenhague, c'est une ligne très, 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 très agréable. Vous pouvez effectivement rouler en vélo sans vous faire écraser et sans écraser personne. Alors, d'accord, c'est une ville toute plate. Vous me direz, c'est plus facile que quand on a à gérer Montmartre et la rue des Cartes. Bon. Mais c'est conçu pour ça. C'est tous les systèmes de déplacement, et on va raisonner entre l'emplacement des lieux d'habitation et l'emplacement des lieux de travail. Si vous faites les erreurs que nous avons faites jusqu'à un temps récent, c'est pas dit que nous avons arrêté de les faire, où nous créons des espèces de réserve d'habitation, ce que d'autres chercheurs ont appelé les machines à habiter. Par exemple, vous créez Parly 2, c'était le grand truc chic des classes dites supérieures. Mais combien de temps elles vont passer en voiture ou dans des RER insalubres pour aller travailler? Et ça, c'est du temps considérablement perdu. Prenez Mexico. Mexico, 40 millions d'habitants, Mexico City, c'est-à-dire avec son environnement, et il y a 4 heures de transport par jour. Considérer que 10 millions de ses habitants se déplacent, ça vous fait 40 millions d'heures de travail perdues. Alors, quel est le coût de ces heures de travail? Comparez, si dans votre environnement proche, dans votre cas précis, regardez l'impact sur la vie familiale, le fait que vous rentriez systématiquement à 19h au lieu de 16h, de 18h, pas 16h quand même. Hein. Ça veut dire que vous avez perdu 1 heure qui n'était pas investie dans la vie familiale, pendant lesquelles vos gamins vont rester collés devant la télé à regarder des âneries. Bon, et ça, c'est un coût social. Puis c'est un coût social, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est comment on va créer de la qualité de la vie. Songez ce que j'ai connu dans les ministères. Le personnel des ministères, il va s'échelonner par rang de qualification. Dans les postes les moins qualifiés, bien sûr, les moins payés, qui vivront dans les étages les plus reculés, dans les services les plus excentrés, eh bien, vous allez mettre des personnes non qualifiées, alors surtout des femmes. Et ça se combine avec un autre problème, qui est la monoparentalité. Donc, ces femmes se retrouvent avec deux, trois enfants. Elles sont seules, elles doivent pouvoir porter les gamins ou à la garderie ou à la crèche, donc elles ne peuvent pas être au bureau avant 10 heures. Il faut qu'elles partent à 4 heures parce qu'elles ont 1 heure et demie de RER pour rentrer quand le RER marche. Elles arrivent complètement crevées, elles sont exclues
de toute forme de promotion professionnelle parce qu'elles sont marginalisées dans le système. Donc, c'est un système qui exclut, qui exclut, qui exclut. Et puis après, on va dire, regardez, ce sont des cloches, etc. Bon, parce qu'on a retiré à ces personnes toute capacité d'avoir de la créativité, de prendre des initiatives. Elles sont totalement épuisées, elles ramassent les gamins totalement épuisés, elles s'assoient devant la télé et puis il ne se passe rien du tout. Et dans un quartier, naturellement, de plus en plus ravagé par la délinquance. Alors, vous citez également l'écrivain Rousseau qui faisait un lien entre la cohérence de l'urbanisme suisse et les pratiques de démocratie directe du pays. C'est quoi le rapport ? Alors, il faut préciser que Rousseau n'aimait pas les villes. Hein. Lui, c'était, il appréciait la vie champêtre, l'aspiration. Eh bien, parce qu'il décrit, dans cette fameuse lettre au maréchal de Luxembourg, que je mets en exergue dans ce petit livre, il montre que la Suisse, il n'y a pas d'opposition entre la ville et la campagne. C'est un enchaînement, il y a un continuum, et une ville, d'ailleurs... Quand on cherche à définir ce que c'est qu'une ville intelligente, j'ai écrit ça dans mon livre précédent, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des clusters, le mot est devenu très à la mode, c'est-à-dire des grappes de villes moyennes, où on cherche à faire des vraies villes, hein, on respecte la taille de la ville moyenne, c'est-à-dire c'est minimum 20 000 habitants, idéalement 300 000 habitants, mais on en fait plusieurs côte à côte. C'est comme ça que les Chinois sont en train de repenser leur urbanisme. Ils ont fait au début des méga-villes à l'occidental, ils voient c'est une erreur, ils essayent de transformer ça en grappe d'éco-cité. Alors ce que remarque Rousseau, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de méga-ville favorise la vie sociale, parce que si vous voulez que vos villes soient créatives, il faut que les habitants soient capables d'interagir, donc qu'il y ait de la vie sociale. Vous avez un exemple récent qui est la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a été détruite en 2011 par un tremblement de terre. Le gouvernement voulait faire un peu comme en France ou dans les grands pays industriels, les grands pays occidentaux, qui était d'avoir une agence centrale et puis on reconstruit des buildings avec des rues, etc. Les citoyens ont élu une maire qui a dit non, pas de salisette. Si on veut que la ville soit résiliente parce qu'on est dans une zone de tremblement de terre, donc il y aura à nouveau des tremblements de terre, cela doit reposer sur la capacité d'initiative des citoyens. Et donc tout ce qui est non-qualité de la vie, c'est-à-dire la pauvreté, le mauvais habitat, les mauvaises conditions de vie, tout ça va nuire à la résilience de la cité. Et alors, Rousseau ne parlait pas de résilience, bien sûr, mais il parlait de cohérence entre le tissu urbain et les campagnes. Cela doit reposer sur la capacité d'initiative des citoyens. Et donc, tout ce qui est non-qualité de la vie, c'est-à-dire la pauvreté, le mauvais habitat, les mauvaises conditions de vie, tout ça va nuire à la résilience de la cité. Et alors, Rousseau ne parlait pas de résilience, bien sûr, mais il parlait de cohérence entre le tissu urbain et les campagnes. Cela doit reposer sur la capacité d'initiative des citoyens. Et donc, tout ce qui est non-qualité de la vie... Est-ce qu'il faut pourrayer et reconstruire derrière ou quoi ? Ah, alors, ça, c'est effectivement, c'est plus facile de faire une ville intelligente quand tout a été cassé. Bon. Pour ça que Christchurch, ce qui est intéressant dans Christchurch, c'est qu'il profite à plein de cette opportunité. Mais on ne va pas tout démolir. Ou alors on envoie Madame Hidalgo qui va réaliser le rêve de von Schultitz et détruire Paris. Et là, on pourra reconstruire. Mais ce n'est pas la peine. C'est à éviter parce que Paris est quand même des beaux quartiers. Il y avait des villages, il y avait beaucoup d'endroits sympathiques qui sont en train d'être détruits. Bon. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à comprendre... la logique du territoire, c'est-à-dire que chaque territoire a ce qu'on appelle un capital social, une histoire. En conclusion, je propose de réécrire le Tour de France par deux enfants. Le Tour de France par deux enfants que nos parents, nos grands-parents avaient appris, on décrivait chaque territoire par... Alors, c'était ses richesses matérielles, parce que c'est une économie basée sur les ressources naturelles, et les richesses culturelles, les richesses populaires. Maintenant, il n'y a plus les ressources naturelles en elles-mêmes ne comptent plus, mais c'est les ressources intellectuelles.
Et chaque territoire a un capital social. Et c'est à lui de comprendre quel est ce qu'on appelle le génie, les traditions, et ce qui va faire que ce territoire soit attractif. Prenez l'exemple en Aquitaine, ça y est, le nom m'est sorti, de cette Electra System. Electra System avait commencé à délocaliser ses sites de production pour, comme tout le monde, et faire des économies sur les salaires. Mais il rapatrie, et ça se voit régulièrement maintenant. On rapatrie parce que, d'accord, vous faites des économies sur les salaires, mais vous perdez en coût de non-qualité, parce que la non-qualité, il va falloir la payer. Et ça, ça coûte cher. Parce que la non-qualité dans une chaîne de production, si elle est produite en amont, elle va se diffuser sur toute la chaîne. Donc, il faudra réparer ça. Et il faut mieux travailler avec de la main-d'œuvre correctement payée, mais dans un bassin, où cette culture, elle fait partie de des traditions du capital culturel. Alors, regardez comment l'horlogerie suisse s'est reconvertie avec la crise du digital. Les montres à aiguille que vous avez disparaissaient puisqu'on avait les montres à écran. Donc c'était une catastrophe. Ils ont réfléchi, nos amis suisses, et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté du Jura, nous, les amis français, ils n'ont pas réussi à faire ça. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on sait faire ? Derrière, l'horlogerie, c'est quoi ? Notre savoir-faire, c'est la micromécanique. Donc, ils ont passé un accord avec les fabricants de prothèses de hanches, puisque malheureusement, on sera tous un jour, peut-être, pas tous, mais amenés à devenir clients des prothèses de hanches ou de genoux, de je ne sais pas quoi. Bon, c'est de la micromécanique. Sous ça, relancer la vie et l'innovation dans le bassin, vous avez un innovateur qui arrive, comme il les arrive toujours, à un moment ou à un autre, qui était Nicolas Hayek, et qui a créé la Swatch. Et ça a relancé l'horlogerie suisse. Et c'est la micromécanique traditionnelle qui a absorbé l'électronique. Vous avez la même chose en France avec ce qu'on appelle la Plastic Valley, qui a fait maintenant des planches de bord. Au début, la Plastic Valley, elle faisait, il y a 20 ans, elle vous faisait des tables de jardin, vous savez, qui coûtaient 20 francs, et puis vous, ça jaunissait au soleil, c'est de très mauvaise qualité. Mais ils sont mis à savoir faire des planches de bord, et c'est eux qui ont absorbé l'électronique, et Bosch a été intégré par la Plastic Valley, et le kilo de plastique vaut beaucoup plus cher. Claude Rocher, comme exemple de ville qui a réussi un redressement, vous citez le cas de la ville d'Espelette, connue pour son piment. Comment a-t-elle réussi ? Alors, comment a-t-elle réussi ? Au début, il faut toujours qu'il y ait, dans un territoire, il faut qu'il y ait coalescence autour d'un porteur de projet, d'un entrepreneur. Donc, il y a eu un entrepreneur, M. Daridou, je prononce pas avec le bon accent basque, qui a réuni les producteurs et qui est allé voir les autorités pour avoir un label AOC. Il s'est fait, au début, jeter. On lui dit, qu'est-ce que c'est que cette bande de péquenots ? Les labels AOC, c'est pour les grands vins. Bon. Ils ont repris tous les processus de production, tous les systèmes de culture, et ils ont pu faire labelliser ça AOC. Et avec cette culture traditionnelle, culture au sens du terme, ils ont intégré les technologies de l'information pour diffuser des recettes à base de piment d'Espelette en se mettant en lien avec les grands chefs toute la galaxie mondiale du culinaire. Et ils se sont mis à exporter. Et c'est une réussite absolue. Alors, vous avez un indicateur, c'est, pour ces petits villages, c'est la croissance démographique et notamment la croissance du nombre de classes. Parce que si la population se rajeunit, c'est une population qui va faire des bébés et ça va vous faire recréer des classes. Il y a un autre exemple que je cite, j'espère que vos auditeurs ont eu ou auront la possibilité d'y aller, c'est Saint-Bonnet-le-Froid, qui est sur le plateau ardéchois, un village abandonné des dieux, où il n'y a absolument rien, hormis de gigantesques congères qui montent jusqu'au toit, et vous avez 5 entrepreneurs, les frères Marcon, attention à ne pas mal placer le R, qui a créé l'un un restaurant 3 étoiles, qui est maintenant mondialement connu, l'autre est devenu président de l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, l'autre des entreprises, et ils ont amené de la population nouvelle, plus jeune, donc il va faire des bébés, on rouvre l'école, et là vous avez réinitialisé votre site de développement.
Alors, vous citez également, et on va terminer par là, Claude Rocher, Eric Reiner et Reiner Kattel. Là, ils expliquent l'effondrement des États est toujours précédé d'un effondrement urbain. Est-ce que l'exemple de Paris est significatif sur l'effondrement actuel de notre État français? Ah oui, tout à fait. Ben, Paris n'attire plus. Paris ne crée plus rien. La France a été, bon, on peut le regretter, hein, tout n'est pas mauvais, je ne suis pas anti-parisien par construction, mais Paris a été le moteur de la croissance française et a été un centre intellectuel, même si d'autres villes avaient été aussi des grands centres intellectuels. Mais parce que ça crée un noyau autour duquel il y aura une force centripète qui va se créer. Quand la ville s'effondre, tout s'effondre. Regarde, les défenseurs des métropoles, j'ai vu plusieurs émissions là-dessus, pas besoin d'interviews, où ils disent, mais vous voyez que les métropoles ne paupérisent pas la périphérie, puisque maintenant la métropole enrichit les périphéries, puisque les gens quittent les métropoles, puisque vous avez eu toute cette bande, toute cette tendance de vente de logements dans les grandes villes, les gens se débinent de Paris et vont acheter dans la périphérie. Ben, chez moi, dans mon coin de Haute-Savoie, il n'y a plus rien à vendre. Hein. C'est la ruée. Donc, ils inversent le raisonnement. Ils disent la preuve qu'on s'effondre, c'est la preuve qu'on est utile. Bon, oui, c'est toute l'approche de Reinhard Kattel, de toute cette école néo-schumpeterienne, qui fait un travail extraordinaire, montre que s'il n'y a pas rendement croissant, s'il n'y a pas d'activité à rendement croissant, il n'y a pas croissance. Ce n'est pas simplement en ajoutant des masses de capital que ça va marcher, c'est en cherchant comment les activités vont interagir entre elles et créer des rendements croissants. Il y a un autre exemple que je cite, c'est le redressement du Choletais qui faisait des chaussures bas de gamme et qui s'est mis à faire des chaussures haut de gamme et qu'elle intègre, une activité qui s'intègre à l'industrie de haute technologie. Donc avoir des entrepreneurs innovants, ne pas dépendre des dotations financières de l'État, et puis vous le dites en conclusion, miser sur le local, le territoire, l'immatériel, la culture. Voilà, exactement. Et ne pas être obnubilé par Paris. Il ne faut pas dire tout passe par Paris. Et les stratégies que j'ai eu à appliquer en tant que fonctionnaire, qu'on mène depuis Paris, elles seront purement descendantes, ça ne marche pas. Votre ouvrage, c'est La France des villes moyennes, une stratégie d'avenir pour les territoires. Merci Claude Rocher. À bientôt et bonne lecture.